petit. Sans toucher. Je suis. Sans toucher. Désolé. Passif. Regarde bien. Regarde bien. Et désolé cause. De ne pas avoir assez cru en moi. Faut pas aller. Stop, stop. Faut pas aller à l'éclat. Non. D'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Tu cours comme ça pour aller attraper les joueurs. Désolé. D'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Je retourne, oui. Désolé. D'avoir oublié mes rêves. Et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps. Car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant. Aujourd'hui. Et tous les jours. N'abandonne jamais à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer plutôt que d'échouer par défaut. Parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'inacceptable. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Et ça sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Et on marche comme on a travaillé. On marche comme on a travaillé. On marche. Vous marchez maintenant comme vous avez travaillé. Vous marchez maintenant. La même chose. En marchant. Go. Vous avez le tour. Bien. Les moments difficiles finissent toujours par passer. C'est le tour. Pardonne-toi. Et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Go. Il y a un proverbe africain qui dit: s'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Yes, si t'as kiffé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Facile, elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos de ce format seront disponibles sur Spotify. Attends, rien que pour vous, au prochain épisode. T'as pas compris ou quoi? Toujours la main droite, on prend toujours la main droite. Montre pas ta vitesse, elle est pas longue, d'accord? Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Laisse-moi. On l'a suivi. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission de vie. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer plutôt que d'échouer par défaut. Parce que j'ai décidé d'arrêter,
décider d'accepter l'inacceptable. Plus vite, ce n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Mon cadeau et maintenant. Ce sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Et un peu de boire, petit coup. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. » Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin, car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Dans 5 secondes. Yes, si t'as kiffé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos de format seront disponibles sur Spotify rien pour vous au prochain épisode. Ça fait 2. Dans 5 secondes. Je suis désolé. Ouais. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon Bien. Temps à chercher Bien. Des raccourcis. Bien. Désolé Bien. D'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Nickel. Désolé ça fait la d'avoir ça oublié fait mes rêves. Et moi-même par l'occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps. Dans 5 secondes. Car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, ouais. C'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, le village. Aujourd'hui le village. Et tous les jours. Bien. N'abandonne bien. Jamais un rêve à cause bien, du temps bien, que pourrait prendre sa réalisation. Tout complet, orange. Le temps passera de toute façon. Nickel. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, dans apprendre, 5 secondes. Faire, partager et aimer. Hey, c'est le tout dernier. Hein. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devrait d'être un succès. Bien. Un truc complet. La vie n'a pas de sens sans une mission. Et en masse, quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission de vie. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer. Plutôt que d'échouer par défaut. On le fait deux fois. Parce que j'ai décidé d'arrêter. J'ai décidé d'accepter l'inacceptable. Go. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Et ça sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. On prend un coup, si nécessaire. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Ouais. Développé. À tout complet. Extérieur. Bien. Fixe-le maintenant. C'est mes talents. Ma chaîne, passe-moi déjà plus vite. Les moments difficiles finissent toujours par passer. C'est ce petit-là. Il a oublié. Pardonne-toi. Et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. C'est mon cadeau, il y a ça. Un proverbe africain qui dit. On reste concentré, les gars. S'il n'y a pas d'ennemi, on réalise ce qu'on attend de vous, les gars. L'ennemi à l'extérieur. C'est le plus important. Ne peut te faire aucun mal. Ouais, assez. Écoute le village. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. C'est mes talents. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Plus vite, le salon. Plus vite, rentre. Alors. C'est compliqué. C'est compliqué. Alors, reste la pointe des pieds. Son ballon devant soi.
Yes, si t'as tout fait, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos du format seront disponibles sur Spotify. Rien que pour vous, au prochain épisode. Ça fait deux. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. C'est bien. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission de vie. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer plutôt que d'échouer par défaut. Parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'inacceptable. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Et ça sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui dit que c'est trop tard. Et c'est maintenant, à mon signal. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Sans ballon, perdu. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit nickel, on boit un coup. S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur et on change de côté, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Yes, si t'as kiffé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos de ce format seront disponibles sur Spotify rien que pour vous au prochain épisode. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours. N'abandonne jamais un rêve à cause du temps que pourrait prendre sa réalisation. Le temps passera de toute façon. Et si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, tu ne sauras jamais ce que ta vie aurait pu être. Chaque jour est un bon jour pour grandir, apprendre, faire, partager et aimer. Ma vie n'est rien d'autre qu'une journée qui se répète. La seule chose que j'ai donc à faire, c'est de réussir cette journée. Et si toutes mes journées sont des succès, alors ma vie se devra d'être un succès. La vie n'a pas de sens sans une mission. Quelle est la tienne? Et je ne te parle pas d'une petite mission sur ta console de jeux vidéo
ou d'aller faire les courses. Je te parle d'une mission de vie. Une mission pour laquelle tu es prêt à donner ta vie. De toute façon, soit tu poursuis tes rêves, soit c'est tes rêves qui te poursuivront. Je préfère échouer 1000 fois de suite et continuer à essayer, plutôt que d'échouer par défaut. Parce que j'ai décidé d'arrêter, décidé d'accepter l'inacceptable. Ce n'est jamais trop tard pour commencer. Sauf quand c'est trop tard. Parce qu'un jour, ta vie défilera devant tes yeux. Et ça sera trop tard. Trop tard pour réaliser tes rêves. Trop tard pour être heureux. Trop tard pour aimer comme tu n'as jamais aimé. Trop tard pour faire taire cette voix dans ta tête qui te dit que c'est trop tard. Quand mon heure viendra, je serai prêt. Mais la seule façon d'accepter sa propre mort est de ne pas avoir l'impression de ne pas avoir vécu sa vie. Alors concentre-toi sur les choses qui comptent. Et rappelle-toi que le passé n'est rien d'autre qu'une leçon. Pas une sentence à perpétuité. Les moments difficiles finissent toujours par passer. Pardonne-toi et concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Il y a un proverbe africain qui dit « S'il n'y a pas d'ennemi à l'intérieur, l'ennemi à l'extérieur ne peut te faire aucun mal. » Et n'oublie pas de rendre ton discours intérieur aussi formidable que ton destin. Car la qualité de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Yes, si t'as kiffé, je te laisse mettre un pouce en l'air et t'abonner pour louper aucune de nos prochaines vidéos. Et si tu veux écouter cette vidéo en boucle parce que t'as kiffé l'audio, tu peux la retrouver sur Spotify. Elle sera disponible sur Spotify d'ici 2 jours. Et toutes les vidéos de ce format seront disponibles sur Spotify rien que pour vous au prochain épisode. Je suis désolé. Désolé de ne pas avoir assez cru en moi. Désolé d'avoir perdu mon temps à chercher des raccourcis. Désolé d'avoir bafoué mes valeurs et mes principes. Désolé d'avoir oublié mes rêves et moi-même par la même occasion. Mais les regrets appartiennent au passé. Je refuse de regretter d'avoir perdu du temps, car ça ne serait que plus de temps perdu. Le secret pour y arriver, c'est de s'y mettre. Pas demain, mais maintenant, aujourd'hui et tous les jours.